Bonjour amis de la restauration, aujourd'hui on va faire de la guimauve. Donc pour ceci, il nous faut 2 blancs d'œufs, 250 g d'eau, 500 g de sucre et de la gélatine ramollie. Donc pour cela on fait un sirop avec du sucre bien sûr. Donc, le petit sirop. Pendant qu'on remet les plants dans un plat pour remonter. Voilà. Et voilà. Pendant ce temps-là, on vide on étend la gélatine. Maintenant, on attend que le sucre cuise. Donc, j'ai choisi de faire la guimauve bleue aromatisée au citron. Donc, on peut utiliser des ailes de citron ou de l'huile essentielle de citron. Alors, pendant ce temps-là que le sucre cuit, donc moi j'ai choisi l'huile essentielle de citron car. C'est un produit que j'aime bien. Je mets 2-3 gouttes, pas plus, car c'est très puissant, dans mes blancs. Pendant que le sucre cuit, on va commencer à monter les blancs. Donc le sucre, ça est à peu près à 150 degrés, donc ça fait des gros poulets, pour faire une meringue italienne en fait. Donc tout ça est cuit pour l'instant. Là vous voyez le sucre arrive quasiment à bonne température, on a des grosses bulles qui se font. Dans quelques secondes il sera prêt. Pendant ça, les blancs montent tranquillement. On peut sentir le bon parfum de l'essence de citron qu'il y a dedans. Voilà. Donc moi vu que je colore en bleu, donc je mets quelques gouttes de colorant bleu. Bleu. Donc là on revient sur le sucre qui est cuit là maintenant, donc pas plus, sinon après on vient un caramel. Donc le sucre on le verse délicatement dans les blancs. Pour faire une meringue italienne en fait. Enfin, bien remuer la gélatine pour éviter qu'elle cuise au fond. La gélatine est mise dans le sucre, on verse délicatement dans les blancs, pour faire notre meringue italienne.
refroidir la guimauve, qu'elle soit froide, pour qu'on puisse la plaquer pour qu'on puisse l'utiliser après. Voilà, la guimauve est prête. Il n'y a plus qu'à la plaquer maintenant. Voilà, elle est prête, il n'y a plus qu'à la plaquer. Alors voilà, notre guimauve elle est faite, il n'y a plus qu'à la plaquer. Dans une plaque, hein, de... Bien sûr, la guimauve, vous pouvez la faire avec n'importe quel parfum. Donc vous l'étalez sur votre plaque. Voilà, elle est prête. Il n'y a plus qu'à mettre du film et on met à sécher pendant toute une nuit au frigidaire. Voilà, la guimauve est prête. On la laisse, comme je disais, sécher au frigo pendant toute une nuit. Et on se retrouve demain matin pour...